J'ai quelques vers à vous réciter. Ça colle pas mal à cette histoire de fou. Je ne demande qu'une seule chose. Je ne cherche qu'à habiter sa maison tous les jours de ma vie. Savourer sa douceur. Rechercher son palais. Je ne prends qu'une seule route. Vous connaissez un peu les gens sur qui vous me questionnez, au moins ? J'entends un ramassis de conneries sur eux. Moi, je les connais bien. Matt fait surtout confiance à la petite au katana. D'ailleurs, tout le monde l'appelle comme ça. Katana. Personne connaît son vrai nom, vu qu'elle décroche jamais un mot. Ah, vous transpercez avec ses yeux. Ça, elle sait faire. Mais raconter sa vie, c'est pas son genre. Elle lâche jamais sa lame non plus. Il y a des rumeurs. Ça serait pas juste un bout de ferraille, vous voyez ? Caractère à la con aussi. Assez colérique, mais pas grand monde pour en parler au final. Ensuite, vous avez Loli. Pas forcément dans les environs, mais elle fait toujours partie de l'équipe. Sa force, c'est pas vraiment les poings. Son truc à elle, c'est le poison. Hein, on la trouve mignonne avec sa petite sucette, hein ? Eh ben, vous approchez pas d'elle. Vous auriez l'air con si elle vous embrasse et que votre peau se met à cloquer. C'était quoi votre question déjà ? Ah ouais. Si Matt est logique, il devrait embarquer sa petite troupe dans différents coins avant d'atteindre son objectif. Des lieux que je vous recommande pas d'ailleurs. Soit c'est rempli de connards, il va des tôles, soit c'est un regroupement de malades mentaux qui se bouffent les uns les autres. Y a rien à en tirer. Des animaux, je vous dis. Me demandez pas pourquoi, mais je sais qu'il va passer voir les pimbèches qui se planquent dans les églises. Elles font ça depuis l'arrivée des Rouges. J'ai entendu dire que, du temps où ils roulaient encore, le Challenger les fréquentait pas mal. C'était surtout la patronne qui voyait. La moniale principale. Gabrielle, je crois. Une vraie mente religieuse. Il cachait bien son jeu, le salaud. Je suis sûr qu'elle l'aide. Ces filles-là, c'est comme mon whisky, voyez. Ça vous endort, et vous vous souvenez de rien. Jusque c'est trop tard pour vous sortir de là. Elles vous hypnotisent. Elles vous font croire que vous êtes une exception. Les types qui vont là-bas s'oublient pendant un moment. On dit que votre âme vous échappe si vous restez un peu trop chez ces filles-là. Beaucoup y restent des années, jusqu'à être de vrais locs. Ils deviennent les sous-merdes qui planquaient en eux. Là, il est au pied du mur. Faut pas oublier que Matt, c'est pas fait que des amis. Je sais pas ce que le Challenger garde chez les moniales, mais il va passer récupérer des affaires, c'est sûr. Il en aura besoin pour payer. Dis-moi, si j'ai raison sur la suite. Gabriel l'a toujours aidé, il y a un lien particulier entre eux. Garderait bien avec elle, je pense. Soit en tant que festin, soit parce qu'elle en pince pour lui. Je penche pour la
deuxième option. Parce que les effets des filles ne fonctionnent pas sur Matt. Bizarre. Je pourrais vous citer un paquet de salauds prêts à retourner le pays pour lui carrer une balle dans le crâne. Je sais pas s'il le ferait vraiment, mais il y aurait des volontaires. Et vous savez quoi? Il y en a qu'un qui le ferait gratos. Le type le plus dangereux. Celui qui vit pour vous détruire. Celui qui a rien à perdre.